Il y a un peu moins de 2 ans, le 30 avril 2017, Mgr José Moko Ekanga avait promis la construction d'un complexe scolaire dans le quartier Ntoluzingu, dans le territoire d'Idiofa, province du Kwilu. Le territoire d'Idiofa est un des territoires les plus peuplés de la République. Si vous parcourez la ville-cité d'Idiofa, vous vous rendrez compte que les effectifs sont très élevés dans nos écoles. C'est dire que les infrastructures scolaires que nous avons ne suffisent pas à scolariser tous les enfants d'Idiofa. Et aussi, si vous parcourez la cité, vous vous rendrez compte qu'il y a des écoles à infrastructure, je pourrais dire, défendables, des infrastructures propres, prêtes à accueillir nos enfants, et des infrastructures qui laissent à désirer. Voilà pourquoi nous sommes en train de construire ici une école qui va être une grande première à Idiofa, école carrelée, faïencée, offrant à nos élèves un cadre qui puisse leur permettre demain, s'ils ont à reproduire, faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes en train de construire cette école. Les élèves sont encore en train d'étudier sous les manguiers et même dans les salles de l'école primaire. Mais la qualité de l'enseignement est déjà très appréciée par les parents et tous les habitants de la ville-cité d'Idiofa. L'école porte mon nom, c'est le complexe scolaire Mgr José Moko. Cet arrêté a été arraché par mes prêtres. Ils m'ont presque, je pourrais dire, mis la corde au cou. Et quand ils m'ont annoncé la nouvelle, j'avais personnellement un tout petit peu hésité, mais l'arrêté était déjà là. Et ces élèves-là étudiaient sous les arbres ici. Je ne pensais même pas que je pouvais avoir les moyens de construire une telle infrastructure. Le minimum de tout ce que nous voulons faire pour que ça soit propre et présentable, c'est le vrai à 300 000 dollars américains. La durée ? La durée, nous voudrions inaugurer au mois de mars, au 19 mars, à la fête de Saint-Joseph. La jeunesse est l'avenir de demain. Nous le disons, et par rapport à cela, je dis à tous les parents que l'avenir d'une nation par la jeunesse n'a pas de prix. Nous devons mettre le moyen que nous avons, chacun, même en produits agricoles ou encore par d'autres moyens, pour que notre jeunesse soit bien préparée. Le monde de demain sera un monde très compétitif. Je parcours le monde, quand je vois les enfants d'ici, je pourrais dire les faibles conditions d'éveil autour de ces enfants, et je compare avec les enfants des pays développés, j'ai quelques frissons. Je me demande comment ces enfants vont compétir demain avec les enfants d'ailleurs. Et si nous ne mettons pas les moyens aujourd'hui, demain, je crois que notre pays, la RD Congo, va importer des compétences. Voilà pourquoi nous essayons, dans la mesure du possible, comme Église catholique, puisque l'éducation a toujours été une des roues de notre évangélisation, une dimension très importante de notre évangélisation, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos enfants soient bien préparés. Nous devons tous être acteurs et non pas des spectateurs quant à ce qui concerne le bien commun, le bien de tous. Nous devons tous nous mobiliser, nous avons tous à être des acteurs, à participer pour améliorer nos conditions de vie, pour préparer un bel avenir pour un chacun d'entre nous.
Jérusalem, Jérusalem. Chose promise, chose due, c'est sous le thème « L'éducation est le puissant levier pour être compétitif et inventer le monde de demain. Et demain, nous y sommes déjà. Rêve, aujourd'hui réalité. » Monseigneur José Moko a procédé à la coupure du ruban symbolique du complexe scolaire Monseigneur José Moko Ekanga le 19 mars dernier en présence de l'évêque de Kengé, de l'administrateur du territoire d'Idiofa, du bourgmestre, du comité de sécurité, des prêtres et religieuses, y compris les élèves. Après la coupure du ruban symbolique, Monseigneur a béni l'œuvre qui porte son nom. La cérémonie a connu plusieurs discours, en commençant par les élèves, le mot du chef d'établissement, celui du provède, suivi de la remise des clés à l'évêque par l'ingénieur et de ce dernier, et l'évêque qui a remis à son tour les clés au provède. J'avais accueilli cette nouvelle comme une capacitation à faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Je me disais, comme prêtre, j'étais déjà dans beaucoup d'activités. Et voilà que l'Église, par son attention à ma personne, m'a désigné comme évêque d'Idiofa. Ce faisant, je considérais cet acte comme une ouverture qui m'a encore été donnée à pouvoir me déployer, m'exprimer. Et comme j'ai défini l'épiscopat, mon épiscopat, comme une capacitation à faire beaucoup de bien à beaucoup de gens, je n'ai pas voulu que ce 10e anniversaire puisse passer sans que je fasse ce lien entre mon identité et ce qui peut être au service de plusieurs personnes, notamment en matière d'éducation. En offrant cette école, cette infrastructure à notre jeunesse, celle d'Idiofa, mais aussi d'ailleurs cette jeunesse qui viendra fréquenter cette école, je me réalise comme pasteur épris d'amour, épris d'action en vue du bien commun, en vue du bien de tous, en vue du bien de plusieurs. Ce jour a été tant attendu. Il y a 2 ans, depuis que le Père évêque nous avait promis de nous doter des bâtiments scolaires. Et aujourd'hui, il vient de réaliser son rêve. C'est donc une très grande satisfaction. Et cette satisfaction est renforcée par les grandes présences qui sont venus en ce jour honorer l'inauguration de ces bâtiments qui ouvrent en effet la série des activités relatives à la 10e année de l'épiscopat de notre évêque. C'est donc un sentiment de grande joie, mais aussi un sentiment d'action de grâce à Dieu. Grande joie puisque c'est un plus dans ma province éducationnelle, plus de 3. Voyez la qualité des infrastructures. C'est ce qui n'existe pas. Alors, c'est une école qui fait fierté de notre province éducationnelle. C'est pourquoi nous remercions grandement le Père évêque pour son dévouement, pour son souci de l'éducation de la jeunesse dans notre province éducationnelle, Kwilu 3. Je vais demander aux usagers, je l'ai dit dans mon discours, de garder jalousement ces infrastructures. Surtout donner aux enfants la culture de la propriété pour que nous puissions garder ces infrastructures en bon état pendant plusieurs années. Je suis privilégié de participer aujourd'hui dans cet événement qui inaugurait une nouvelle école, une nouvelle forme d'éducation, l'enthousiasme de la ville, le diocèse, les parents, les élèves. C'est une chemin vers espérance, c'est un chemin vers expertise, c'est un chemin vers l'avenir pour ces élèves. Et je suis très heureux pour tout le monde et très fier de notre Église et de notre évêque, Monseigneur José, pour cette vision et pas juste une vision, mais l'action concrète. Félicitations à lui et à tout le monde qui ont participé dans cette rêve. Merci. C'est
une grande satisfaction. Mais je dois dire que je suis venu tout d'abord pour rendre grâce au Seigneur avec lui, remercier le Seigneur pour ses 10 ans d'épiscopat, pour tout ce qu'il a pu faire en ces 10 ans, et surtout pour rendre grâce au Seigneur qui lui a donné la vie, qui lui a donné la force et cette grâce d'accomplir cette œuvre naturellement, comme il a souligné, avec la collaboration de tant de confrères, de consoeurs, tant d'hommes et de femmes de bonne volonté. Et quand à l'œuvre, cela exprime bien son désir de s'occuper de la jeunesse, de promouvoir la jeunesse et d'assurer à la jeunesse un avenir meilleur. C'est une œuvre grandiose et le souhait est que cette œuvre soit bien soignée, aussi bien par les usagers, les élèves, les professeurs, mais également par l'entourage. Un rêve qui devient réalité sous l'impulsion de son Excellence Monseigneur José Moko, qui mise sur l'éducation, comme lui-même l'a dit dans la messe inaugurale ce matin. C'est une œuvre pour laquelle il s'est consenti. Il a consenti beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour qu'on y arrive. Évidemment, travaillant à Idofa, on avait difficile à établir un calendrier strict, partant du fait qu'il y a des préalables, des conditions de transport, de matériel qui devait provenir de Kinshasa et des conditions routières qui, par moments, rendaient difficile le respect du calendrier. Mais nous pouvons dire que nous sommes allés dans le 20 à 24 mois depuis qu'on a commencé ces travaux jusqu'aujourd'hui. Et nous avons pour cela aussi misé sur la technologie des énergies renouvelables en utilisant les briques hydraformes pour monter ces bâtiments gigantesques que vous avez vus. Et notre joie est que nous avons atteint nos objectifs en offrant à la population, au diocèse d'Idiofa, à l'Église catholique, un bâtiment ultra moderne pour une bonne éducation de nos enfants. Et nous sommes fiers de ça et on invite les élèves, les filles et garçons de la République de venir assister, de venir étudier, de venir prendre la formation que nous prenons au complexe scolaire Monseigneur José Moko Ekanga. Nous n'avons rien à lui donner, mais ma grande merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour notre école. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. En tant que telle, elle mérite l'attention de tout le monde.